30 secondes. Je disais coucou tout le monde. Bon, c'est un jour triste. Je me suis levée à 11h30, il est midi 10. Mon oncle est décédé cette nuit. Donc, c'est quelqu'un qui comptait, qui avait toujours matière à rire. Donc, j'ai envoyé mes condoléances à mon cousin en lui disant que son papa allait nous manquer. Parce que c'est quelqu'un que j'ai bien connu. C'est quelqu'un que j'aimais vraiment profondément. Et sans aucun doute, j'ai dit à ma mère que j'irai à son enterrement. Et c'est que qu'il comptait beaucoup pour moi. Bah, il ressemblait tellement physiquement à mon père que on le confondait. De loin, on le confondait. Donc on courait vers lui. Et puis c'est qu'une fois arrivé proche de lui qu'on remarquait que c'était notre oncle et non pas notre père. Mais on était content de le voir. Voilà, c'est le souvenir que je garde des beaux moments de rigolade. Il me sombrait. Sans arrêt. Bah, vaut mieux qu'il soit parti plutôt que de rester sous respirateur tout le restant de sa vie. Et à l'état de légumes. Je dis pas que je suis contente qu'il soit parti. Non, je suis pas contente. Je suis pas contente que celui-là soit arrivé, qu'il ait rien dit, qu'il ait rien fait. On est le 20 décembre. Noël va être triste pour tout le monde. Bon, nous, on le fait pas. On fait quelque chose le 29 et c'est tout. Il aurait voulu qu'on fête quelque chose. Le connaissant, oui, il aurait voulu qu'on ne s'apitoie pas sur son sort et qu'on fête quelque chose.
J'ai envie de dire à la famille. Fêter Noël. Parce que c'est ce qu'il aurait voulu. Le connaissant. C'est ce qu'il aurait voulu. Maintenant, mon père y a été hier. Elle a bien fait. Le seul problème, c'est que mon oncle aussi est pris trop tard. Il aurait pu avoir une crève de poumon. Il agit comme sa mère. C'est pour ça que je me dis, en ayant mal aux reins, comme j'ai mal aux reins depuis des années, je ne vais pas attendre plus longtemps. J'ai rendez-vous dans un mois chez la doctoresse. Je lui demande de faire les examens nécessaires. Pour ne pas attendre la fatalité. Mais il aurait voulu qu'on fête les fêtes. Alors fêtez les fêtes. C'était quelqu'un d'enjoué. Toujours blagueur. Ça. Maintenant, j'ai le sourire pour lui. Parce qu'il m'aurait dit, fais pas la gueule. Ou alors, t'es trop sérieuse.
J'ai envie de dire, tonton, tu vas nous manquer. C'était quelqu'un que j'aimais profondément. Qui me chambrait à la moindre occasion. J'ai envie de dire, déjà mes condoléances à Tata, à mon cousin, à ma cousine. Croyez bien que je suis à vos côtés. On est à vos côtés. Ces quelques minutes ne suffisent pas à exprimer ce que je ressens. J'ai ces moments qui reviennent en tête. Oh, il ne manquait pas de me chambrer. Quelqu'un chez qui on allait régulièrement. C'était très rapide. Hier, je pouvais pas quitter. Je pouvais pas rentrer chez moi tant que j'avais pas. En fait, je m'expliquais mieux.
Dès que j'ai entendu ma mère dire c'est coucou en regardant le téléphone de mon père parce que j'avais pas vu mon père. J'ai compris tout de suite. J'ai arrêté toutes mes activités. J'avais les larmes qui montaient. Je me suis figé, quoi. Ma mère m'a dit, bah, il te ramène avant, sinon je peux pas. Fallait que je reste, que fallait que. Fallait que je sache. Je partage la peine de la famille, même si je suis une pièce rapportée. C'est ma famille. J'ai énormément de peine. Mais je tiens à l'exprimer. Dire publiquement. Qu'il faut fêter ces fêtes, il l'aurait voulu. Encore une fois, c'était quelqu'un d'enjoué. Voilà. J'ai de la peine. J'ai de la peine pour sa famille. J'ai de la peine pour notre famille. Je parle de la famille entière. Ça fait la troisième personne qu'on perd. Il n'avait que 66 ans. Il m'aurait dit, hey, t'as fini de faire la gueule? Ou alors, quelque chose dans ce genre.
ça va être le seul moment où je vais me... lâcher. Et si mon père est trop triste, je vais lui rappeler qu'il aurait voulu qu'on soit heureux. Il aurait voulu qu'on... fasse pas la gueule, tout simplement. Je vais vous laisser là. Parce que mon chien doit avoir faim. J'ai fait la grasse matinée, malgré moi, parce que j'étais complètement out, épuisé. Donc voilà. Quelques minutes pour quelqu'un qui comptait. Je vous dis à plus.